C'est pas salé sucré, mais doux et amer. Ramé dans les flots, volé dans les airs. Détour au contraire, rétrospective. Vision miroir, double visage. Il en faut du flair pour trier le bon grain et grainer nos espoirs sans perdre la tête. On a plus deux ans qu'on a déjà 20 années derrière et ça continuera jusqu'à la prochaine. Mais quand c'est la prochaine, va-t-on le refaire? Aura-t-on le flair? Et même si j'ai pas toujours le bon ton, en moi les couleurs se mélangent, je peine à trouver le bon sens. Et même si j'ai pas beaucoup de réponses, au moins les couleurs se rassemblent. J'essaie de réduire la distance. On peut jouer encore des heures et des heures. J'aime bien ce manège au milieu du labyrinthe. On peut jouer encore. J'aime bien ce manège. Jeu de rôle, on perd la tête, silence bruyant. Les mots se font tard, décoder les peurs à l'envers du décor. Devenu depuis le temps qu'on s'était pas vu. Oh oh, je vois des pupilles qui se dilatent. Qu'est-ce qui arrive? La peau vive et le cœur flou. Tout est carré dans le total. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'es devenu depuis le temps? Je me remets à parler au ciel. On veut ici et maintenant, juste ici maintenant, des sommets apaisés. Comment et pourquoi on parle trop souvent des parures de mode et des bavures? Des efforts à faire pour une peau dure. La tension est partie en glissade. Le viseur est pointé dans mirage. Chill de base est un morceau qui a été écrit il y a plusieurs années et Flair est un morceau qui a été écrit très très récemment, en tout cas finalisé récemment, et il a été écrit l'année passée, en 2022, mais on l'a composé et arrangé cette année. La scène pour moi, ça représente un endroit où je me sens chez moi et j'ai plusieurs morceaux qui parlaient du fait d'avoir trouver sa place, où est sa place, et d'être soi, comment être soi, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est bien un endroit où j'ai pas besoin de me poser la question et où je me dis qu'à cet endroit-là, ben, j'ai bien le droit d'être moi-même. Et voilà, c'est un endroit où je me sens bien. Alors, c'est un vrai honneur, étant donné que c'est un festival qui promeut les musiques francophones. Et je suis honorée de ça et voilà, très contente de faire partie de cette édition.